Ce matin, nous lirons dans l'évangile de Matthieu une annonciation, celle faite à Joseph. Une annonciation qui se veut dans l'évangile de Matthieu, le récit même de la naissance de Jésus. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Je vous invite à prendre le cantique 103, si je ne me trompe pas. Je vous invite à vous asseoir et nous allons ensemble prier avant de pouvoir méditer ce texte.
et nous prions ensemble avec Thomas d'Aquin. Seigneur, toi qui es la source de la lumière et de la sagesse, donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la sagacité pour interpréter et une grâce abondante pour m'exprimer. Dispose le commencement, dirige le progrès, couronne la fin. Amen. La naissance de Jésus-Christ ne semble pas être le cœur du problème que soulève ce texte de l'Évangile de Matthieu. Étrangement, seul le dernier verset du texte nous donne l'information d'un fils né de Marie et auquel Joseph donna le nom de Jésus. Ce récit de naissance qui commence par « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ » est en fait le récit d'un contexte problématique sur lequel de nombreux mots vont être posés et dans lequel Joseph semble être le personnage central, tout en étant pourtant le plus éloigné de la naissance à proprement parler. Joseph n'est ni le père biologique de Jésus, ni son père adoptif encore, ni tout à fait encore l'époux de Marie, même s'il lui était promis. Il n'est donc relié à Jésus que par une parole qui le place au centre d'un problème dont il pourrait très vite s'extirper. Répudier Marie, et ce serait fini. Le rôle de Joseph n'existe pas encore dans le récit d'accomplissement du salut de Dieu qu'entreprend l'auteur de l'Évangile de Matthieu. Ou plutôt, Joseph est représenté sur le point de rompre le seul lien qu'il a avec cette histoire, en pensant répudier en secret celle qui lui est promise. Ce fil ténu qu'est la parole donnée devient le seul lien de Joseph avec Marie et Jésus. Le récit de naissance qui nous est proposé est une méditation sur la vie et la puissance d'une très fine parole. Joseph peut choisir de remplir un rôle symbolique de père ou partir sans se retourner sur cette naissance d'un fils qui n'est pas de lui. C'est l'histoire de ce choix que nous raconte cette narration étrange dans laquelle tout ce qui est bancal, honteux,
surnaturelle, ou encore transgression pour nous, semble aller de soi. Un récit très calme où les choses s'enchaînent, sans scandale ni exclamation. Un homme est en train de changer d'avis sur une situation qui risque d'engager sa vie tout entière. Plus que Joseph lui-même, c'est la parole qui est le personnage principal de ce récit. Une parole polymorphe qui, d'un engagement de mariage pris devant les hommes, devient secret honteux mais vertueux. Joseph veut répudier, mais pas publiquement, pour ne pas faire de mal. La parole se fait pensée, parole pour soi-même, balance de justice et conscience intime. Que faut-il faire pour être juste? Puis la parole s'invite dans un rêve et se personnifie sous les traits invisibles et pourtant évidents d'un ange. L'ange du Seigneur, dont le simple nom fait comprendre sa présence, sa fonction, son autorité. Le rêve lui-même est forme de parole, discours d'une conscience qui se laisse visiter parce qu'elle ne peut comprendre ou accepter encore. Transgression d'une raison qui règle au grand jour les problèmes de la vie. Le rêve emporte le rêveur dans les lieux où les solutions sont plus obscures, plus difficile à trouver, où rien n'est jamais vraiment réglé, mais seulement représenté dans une interprétation onirique qu'il faudra déchiffrer de jour en jour et comprendre peut-être beaucoup plus tard. Lieu de l'intimité de soi avec sa représentation de soi-même, le rêve est une terre inconnue où l'inconnu s'invite. Pour parler de possible, encore insoupçonné. La parole de l'ange est un récit dans le récit, une histoire déjà sue et qui pourtant n'est pas encore accomplie. Le temps n'est plus chronologique ici. On y parle d'une parole spirituelle, l'Esprit Saint qui est capable de donner naissance aux enfants, est là, comme une parole qui s'invite dans le rêve de Joseph. On y parle d'un certain Jésus qui sauvera tout un peuple et l'on convoque une autre forme de parole, cette fois celle de la prophétie, celle du prophète Ésaïe qui annonce un futur qui se réalise dans le présent de Joseph. Cette parole qui était faite pour rester toujours devant comme une espérance devient tout à coup la réalité de la vie de Joseph. Et elle ne peut être entendue que dans son rêve. Puis la parole se fait traduction. L'Emmanuel, annoncé par le prophète, est un code divin, Dieu avec nous, mais aussi un pont entre deux traditions, celle de la Torah et celle de l'incarnation. Le Messie spirituel annoncé par les prophètes au peuple d'Israël devient un Messie humain, vivant, avec l'humanité tout entière. Joseph a ouvert les portes du rêve à ce messager de sa foi. Il se permet toutes les interprétations, peut-être tous les blasphèmes à l'égard des règles qui lui sont données, toutes les transgressions. Au cœur même de son héritage religieux et spirituel, Joseph est en train de traverser une frontière. Et si Marie, la femme qu'il s'apprête à répudier, devenait signe de salut? Et si elle pouvait revêtir une autre signification que celle qu'elle revêt pour la société normée dans laquelle évolue Joseph? À son réveil, Joseph obéit à son rêve. Il inverse les normes du réel et de la fiction et accorde plus de vérité à son rêve qu'à sa condition empirique devant les hommes. La parole se transforme alors en une chronique. Marie est la femme de Joseph et son enfant sera leur fils. Joseph sera père, donnant de son autorité le nom qu'il a choisi pour le fils qu'il n'avait jusque-là, avant le rêve,
pas du tout avec lui. Ce fils qui était si loin de lui, qui n'avait pas de lien avec lui. C'est lui qui lui donnera son nom. Il restera un père de parole, un père symbolique, jusqu'à la naissance de l'enfant, séparé et en même temps engagé pour cet enfant qui n'est pas de lui, mais qui lui est donné. Joseph ne dit rien. Il ne dit rien sur Dieu. Dans ce passage où il est question de paroles à peu près partout, Joseph, lui, ne dit rien. Il n'a pas de théorie sur ce qui vient de se passer. Joseph ne revendique rien dans un éventuel plan divin. Joseph n'est pas théologien. Et pourtant, par son action et sa façon de vivre, Joseph va être exégète, interprète d'une parole qui se donne à lui sous des formes variées, qui n'épuise jamais tout ce qu'elle a à dire. D'une annonce angélique à une prophétie en passant par une histoire du salut, Joseph lit cette parole comme une écriture sainte dont la clôture reste bel et bien le ventre de Marie, lieu secret d'un passé et d'un futur qui sont inconnus. Joseph devient, par sa façon de recevoir cette parole, exégète de ce qui lui arrive. Il est celui qui, selon l'étymologie du mot exégète, guide et conduit dehors ce qu'il a, grâce à l'intelligence de sa foi, lu à l'intérieur de lui-même. Joseph est un maïeuticien de la grâce qui lui est donnée. Il est accoucheur de la parole de Dieu dans ce monde. Son rêve était sa gestation à lui. Sa vie nouvelle va commencer. Dans son texte, peut-on parler de Dieu ? Rudolf Bultmann écrit « Dans la foi, l'homme se comprend lui-même d'une façon nouvelle. » Comme disait Luther dans son interprétation de l'Épître aux Romains, « En sortant de lui-même, Dieu nous fait rentrer en nous-mêmes. En nous faisant connaître à nous, il nous fait connaître à nous-mêmes. » Joseph a découvert des ressources intimes qu'il ne soupçonnait pas. Comme exégète, Joseph reçoit une parole qui devient pour lui une écriture, une mise en récit de sa propre vie, de ce qui lui arrive. De la temporalité de l'événement qu'il vivait comme un surgissement, Joseph passe à la temporalité du récit de sa foi. Il inscrit l'événement dans les promesses ancestrales des prophètes. Il pose les mots de la foi sur les mots du quotidien. Il synthétise en son rêve ce qu'il doit être, ce qu'il croit, ce qu'il désire et ce que Dieu est pour lui. Cette interprétation intime des faits inavouables en paroles est une transformation de faits impossibles à intégrer dans la vie de Joseph telle qu'elle est à ce jour, dans une parole de salut qui transgresse toutes les règles. Cela relève d'une véritable gestion de crise pour Joseph. Dans l'inavouable, dans le secret du reniement, Joseph, l'exégète, va faire émerger la révélation du salut de Dieu, un salut pour tout événement inavouable, pour toute femme adultère, pour tout adultère, pour toute souillure, pour toute faute jugée par les hommes. Joseph est dans une mécompréhension de ce dont il a pourtant connaissance. Devant lui, deux interprétations s'opposent et se contredisent. Ou bien la femme qui devait devenir la sienne en ayant été celle d'un autre avant rend impossible l'alliance entre lui et elle selon la morale de son temps. Ou bien l'enfant qui va naître peut devenir le sien contre les dictats de sa société et selon une foi dans l'amour de Dieu qui lui inspire une décision d'adoption dont lui seul a la clé de l'interprétation. Comment expliquer cela au dehors ? Comment dire que l'on a accepté une telle situation ? Entre ces deux membres d'une alternative
se joue une herméneutique de crise propre à la foi. Une herméneutique, c'est-à-dire une interprétation à deux inconnus en quelque sorte, qui n'a son pourquoi et son comment qu'en Dieu. Pourquoi, d'un côté, transgresser au nom de la foi des règles que la morale religieuse elle-même édicte? Et comment vivre en société dans ce nouveau régime qui vous met à part? Joseph est devant deux inconnus. Pourquoi agira-t-il d'une façon ou d'une autre? Et comment fera-t-il pour l'assumer? La raison, l'honneur de Joseph l'enjoint à répudier Marie et la bonté l'enjoint à le faire en secret. Mais sa foi et son écriture intime lui donnent une nouvelle interprétation selon laquelle les normes jusque-là admises deviennent elles-mêmes impossibles à vivre. Joseph a changé. Un enjeu assez grand pour le faire changer s'est présenté à lui. Une vie nouvelle, celle d'un enfant, celle de Marie aussi, mais aussi la sienne. Voilà l'enjeu qui se présente devant lui. S'il n'assume pas le choix, toutes ses vies seront brisées. La lecture croyante d'une tradition de foi n'est pas, on le voit ici, une science d'où sortirait tout près un savoir sur soi ou sur Dieu. La lecture croyante interpelle le lecteur et l'appelle par son nom pour mieux l'engager, comme dans l'évangile de Matthieu. « Joseph, Joseph » entend-il dans son rêve. Joseph a lu les signes qui ponctuaient sa religion, il a écouté sa foi et les dimensions de sa vie ont changé. Son action tout à coup n'était plus l'acte anodin d'un quotidien, mais une révélation du salut de Dieu accompli dans ce monde, quelque chose d'infini. Que serait son acte de reniement au regard de l'éternité s'il venait à le faire? Une médiocrité à oublier sans doute. Que serait sa transgression des codes moraux de son temps au regard de la vie de cet enfant et de sa mère? Peut-être bien un accès à l'éternité. Il aura fait l'impensable pour réaliser l'inouï de Dieu. Être lecteur de la parole de Dieu, c'est être mis en demeure de l'accomplir dans ce monde par nos actes et nos choix. Il n'est pas de parole de foi qui n'engage. Dans la gestation de sa fiancée, Joseph voit sa propre éternité se jouer. Quel homme sera-t-il aux yeux de Dieu? Et si le salut consistait justement à aimer, au-delà de toute convention, à accepter tout ce que les autres ne peuvent comprendre dans l'amour? Et si son rôle à lui, le père symbolique, était de sauver cet enfant de l'indignité, de ne pas avoir de nom, de l'illégitimité, de ne pas avoir de famille. En lui donnant un nom et donc un père aux yeux des hommes, Joseph peut sauver cet enfant, sauver son nom. Et si donner un père humain devenait parole de salut et traduisant sur la terre la filiation divine de tout homme? Joseph, en étant l'exégète de son rêve, devient sauveur pour le monde. Il sauve une parole qui sans lui n'aurait pas émergé. Il place Jésus dans une lignée humaine pour que cet amour, qui coûte tant à l'honneur d'un homme, devienne la représentation de cet amour infini de Dieu pour tout homme. La poésie du personnage de Joseph tient dans la conversation qu'il entretient dans la foi avec le divin et qui échappe à la rationalité ordinaire et qui échappe à Joseph lui-même. Le temps d'un rêve, le monde est transformé et le salut en gestation dans le ventre de Marie s'apprête à naître. En ce temps de l'Avent, que faisons-nous des rêves qui nous annoncent le salut de Dieu ?
Sommes-nous prêts à agir en fonction de ces rêves? Nos rêveries, peut-être éveillées aussi, peuvent-elles devenir exégèse du salut, révélation qui engage nos actes? L'enfant que nous attendons ensemble dans la foi est l'enfant de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire enfant de notre capacité à lire l'espérance d'un Dieu pour nous au milieu de nos rêves, de nos rencontres angéliques, de nos désirs de vie nouvelle. Dieu nous interpelle chacun par notre nom. Il nous appelle à accomplir la révélation que nous recevons à travers les Écritures. Les Écritures contenues dans la Bible, mais aussi les Écritures que nous découvrons dans nos vies, à travers les mises en récit que nous faisons des événements qui nous arrivent. Joseph ne réapparaîtra pas dans les récits suivants, personnage évanescent, il représente la parole qui n'a de force qu'en sa fragilité. Homme juste, homme qui tient parole, Joseph semble n'être là que pour porter l'ambiguïté de cette parole. À la fois force de transgression et force de tradition. Car en donnant ce nom à l'enfant, il créera une nouvelle tradition. Sans Joseph, Jésus n'aurait pas de lien avec le contenu des promesses de la tradition messianique. Mais avec lui, Jésus entre dans cette tradition par une voie tout à fait étrange qui est celle de la crise, de la rupture. Ce temps de l'Avent est pour nous un temps de crise et notre société porte sans cesse ce régime de crise en elle. Nous le voyons chaque jour. Mais c'est au cœur de ce régime de crise que peuvent advenir les rêves les plus fragiles et les plus féconds. Il n'est pas vain de rêver. Par nos rêves, nos cœurs peuvent devenir lieu de gestation d'une parole fragile mais forte pour un monde meilleur. Amen.